Bonjour à tous, c'est le routier 76, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et contrairement aux premières images, il ne s'agira pas que de Scania, car c'est pas une histoire de marque de camion, mais une histoire de marque de transporteur. Aujourd'hui, la compagnie ASG, fondée en 1935 à Stockholm, rachetée par la Deutsche Post pour finir d'Ansas, et maintenant DHL depuis 2000. Grosse compagnie de transport international suédoise. Et donc, on commence tout naturellement par des Scania. C'est pour ça que j'ai mis le logo Scania. Et là, ils sont au 1,87 échelle du train. Donc, on a une Savoyarde dans son emballage. Hein, voilà. Après, un camion morgue en Savoyarde. Après, on a encore un 141, mais XO, au 1,43 cette fois-ci, en frigo. Dans la collection semi-remorque d'exception, toujours un Scania, en Savoyarde, au 1,43. Et alors là, on va changer de taille et de marque. Un Volvo F88, je crois, de marque Road King au 1/18e avec les portes qui ouvrent normalement. Ouais, là je l'ai prise par le mauvais coin avec le je vais pas y arriver. Si, ça y est, et ben elle se referme, la vilaine. Voilà, si on peut apercevoir un peu l'intérieur, voilà. Donc un Road King au 1,18, donc une belle bête. Voilà. Après, encore un Volvo, pas tout à fait la même génération, donc celui-là ça doit être un 89 et celui-ci un 88, notez la différence de la taille de la calandre. Alors celui-ci, c'est encore un XO, ou un 43. Après, on a un FM, toujours dans sa boîte, taille 1,87. Alors c'est le seul FM que j'ai dans ma collection. J'aimerais bien en avoir des nouveaux. Et celui-là, c'est FM petite cabine. Fallait avoir le moral. Et enfin, un petit plus, un wagon. Celui-ci appartient à mon fils, qui l'a sur son réseau de train, où on peut voir des vidéos sur son site, le cheminot de Normandie. Pardon, les trains de Normandie. Autant pour moi. Donc, une vue d'ensemble. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce levé, ça fait toujours plaisir, à bientôt !